Salut à tous, bienvenue dans la Minute du Mercato. Le Real Madrid avait promis à ses supporters un Mercato XXL, promesse déjà tenue alors que le marché estival ne fait que commencer. Le club merengue a déjà fait des folies avec plus de 300 millions d'euros dépensés pour acheter Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et le jeune Rodrigo. Le Real a déjà fait tomber son record et pourrait encore se montrer actif dans les prochaines semaines. Du mouvement au Paris Saint-Germain, selon RMC Sport, le départ d'Antero Henrique devrait intervenir rapidement. Le directeur sportif parisien continue d'exercer ses fonctions, notamment dans le dossier du Néerlandais Matthijs de Ligt, mais c'est déjà qu'il va devoir faire ses valises. Ce dernier aurait déjà annoncé son départ à plusieurs salariés du club parisien et aurait une piste ailleurs en Europe, où jouera Franck Ribéry la saison prochaine. Une chose est sûre, pas question de raccrocher les crampons. L'ancien joueur du Bayern de Munich veut s'offrir un nouveau challenge. En Premier League, le promu Sheffield United aurait tenté une première approche, selon le magazine allemand Kicker. Mais Ribéry préfère patienter et attend une offre éventuelle d'un club qui joue la Coupe d'Europe. Le retour de la rumeur Nabil Fekir en Premier League, si l'on en croit le Daily Mail. Liverpool serait toujours intéressé par le meneur de jeu lyonnais. Tout proche d'une signature chez les Reds l'été dernier, le champion du monde va peut-être concrétiser cette option cette année. Mais le vainqueur de la Ligue des Champions souhaite surtout faire baisser le prix de Fekir. Pas question de payer les 53 millions de livres sterling réclamés par l'OL l'an dernier.